qu'est-ce qui se passe avec elle? C'est la sorcellerie. Hein? C'est la sorcellerie. Ça se manifeste comment? Elle m'a raconté qu'elle a pris tout mon commerce. Qui vous a mis dans la sorcellerie? Saint-Dieu. Hein? Saint-Dieu. Il s'appelle comment le vieux? Je ne connais pas son nom. Et il vous a mis comment? Elle m'a croisé sur la rue. Hein? Elle m'a croisé sur la rue, elle m'a donné. Elle t'a croisé en route, elle t'a donné la sorcellerie. Tu as payé pour qu'elle te donne ou c'est gratuit? C'est gratuit. Elle a de gratuit. Et quand vous sortez la nuit, vous faites comment? On mange la viande des gens. Hein? On mange les hommes. Vous mangez les hommes. Et vous les tuez comment? Je ne sais pas comment elle tue. Tu ne sais pas, tu sais seulement comment mange. Hein? Qu'est-ce que vous avez fait dans la vie de la femme-ci? Ça c'est qui pour toi? Ma tante. Hein? Ma tante. Qu'est-ce que vous avez fait? On a pris son marché. Hein? On a pris son marché. Son marché, elle est où? Où est sa tante là? C'est qui? Venez, venez. Mettez-vous ici. Vite, vite, vite. Yes! Vous avez pris son marché comment? Qu'est-ce que vous avez fait exactement? Parlez fort, mettez-moi le volume là-bas. Oui. Celui qui m'a donné la sorcellerie, c'est lui qui a pris. Qui allait prendre pour donner à celui-là? C'est lui-même qui a pris. Hein? C'est lui-même. Toi, tu as fait quoi? Rien. Toi, tu n'as rien fait. Tu me connais? Non. Tu m'as déjà vu? Non. Tu as entendu parler de moi? Oui. Hein? Oui. Qui t'a parlé de moi? C'est ma maman. Elle t'a dit quoi? Que vous délivrez les gens. Hein? Que vous délivrez les gens. Que je délivre les gens. Hein? Qu'est-ce que tu fais dans la sorcellerie? Vous sortez, vous faites quoi? On tue les gens. Vous les tuez comment? On mange les habits des gens. Hein? On mange les habits des gens. Vous mangez les habits des gens? Pourquoi? Quand vous mangez les habits là, qu'est-ce qui se passe? Quand vous mangez l'habit de quelqu'un? Quand elle porte ça là, elle va mourir. Quand vous mangez l'habit de quelqu'un, il va mourir. Et vous mangez encore quoi? C'est fini. C'est fini, hein? Qu'est-ce que vous avez fait dans sa vie? On a pris son marché. Son marché? Vous avez pris sa partie ou avec? C'est lui qui a pris, je ne sais pas comment elle va faire. C'est pour faire quoi? Quand vous prenez le marché, c'est pour que... Qu'est-ce qui se passe? Que les gens ne viennent plus payer. Maintenant, dans vos affaires, est-ce que vous avez les problèmes? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Depuis son arrivée, rien ne va pas. J'achète des boissons, la manger, tout ce qu'on vend. Rien. Et tout ça, ça finit de jour en jour. Jusqu'à alors là, je suis à plat. Hein? Alors là, je suis à plat, je n'ai rien. Et je l'ai demandé, qu'est-ce que tu me fais? J'observe que depuis ton arrivée, les 2 ans que tu as fait avec moi, qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Elle me dit que non. Ok, elle demande au sorcier que je t'ai fait quoi de mal? Est-ce que le sorcier a besoin que tu lui fasses quelque chose de mal? Vous l'hébergez, non? Hein? Vous l'hébergez. Hein? Elle habite chez vous? Oui, elle est avec moi. Mon français est difficile. Vous l'hébergez, n'est-ce pas? Ça dit que vous l'avez accueillie chez vous? Oui. Maintenant, elle a bloqué votre commerce. Et elle habite chez vous. Vous la nourrissez, n'est-ce pas? Vraiment. Vous lui achetez les habits. Vraiment. Jain Kavura Anasparos. Vous voulez abandonner la sorcellerie? Hein? Non. Vous ne voulez pas abandonner? Vous avez suivi la question. Vous voulez abandonner la sorcellerie? Oui. Hein? Oui. Pourquoi? C'est pas bon. C'est pas bon pourquoi? Parce qu'on tue les gens. Vous tuez les gens. Bon. Maman, oui. Vous croyez en Jésus? Je le crois vraiment. Hein? Je crois en lui. Il est venu pour nous sauver, pour nous racheter, pour nous délivrer, pour nous restaurer. Amen. Hein? Amen. Jésus va vous restaurer. Merci, papa.
Même si on vous a fait quoi, heureusement que vous êtes venu ce soir. Vous habitez avec un homme à la maison? Je suis avec elle à la maison. Non, vous habitez avec un homme. Non. Mettez-vous debout. Ça, ce n'est pas le premier sorcier qui est envoyé contre vous. Ce n'est pas le premier. Hein? Ce n'est pas le premier. Parce que vous, je vous ai vu avec un homme, comme marié. Oui. Après, je vous ai vu séparé. Oui. Hein? Vraiment. Et il y a eu des problèmes. Vraiment. Tapez sur vous. Vraiment. Et vous avez fui. Oui, vraiment. Il vous a blessé un jour au front ici. Oui. La séparation a été due à la sorcellerie. La femme, si on lui a tout volé, on lui a tout pris, on est allé jusqu'à vendre vos entrailles. À l'heure où je parle, où vous ne pouvez pas accoucher, à l'heure où je vous parle maintenant. Mais Jésus va vous délivrer. Amen. Je vous connais. Non, non. Je vous raconte juste ça pour vous délivrer. Merci. Je veux prier. Jésus-Christ va vous délivrer. Amen, amen. Vous comprenez? Amen. Leur ami Anna et Roman Sari Anna et Rostoko Sumrumi wa Inutrus. Le matelas sur lequel la fille dort. Hein? Oui. C'est un matelas. Il y a comme un matelas. C'est comme un matelas. J'ai vu un vieux drap. Hein? Oui. Elle est couchée au sol. Oui, hein? Oui, au sol. Dis mon Père et mon Dieu. Père et mon Dieu. Tout méchant caché dans ma vie. Tout méchant caché dans ma vie. Qu'il soit exposé, dans le nom souverain de Jésus. Qu'il soit exposé dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Écoutez, elle est couchée au sol ou sur un matelas? C'est sur contre-sol. Hein? Contre-sol. Contre-sol. Oui. Elle est couchée contre-sol. Oui. D'accord. Vous avez déjà eu un matelas, mais qui a disparu, quelque chose comme ça. Un matelas que vous aviez, mais que vous n'avez plus. Parce qu'on a deux lieux, j'ai fait l'autre partie dans la maison et je les ai laissés dans le bar. Donc j'ai un bar. Oui. Il se loge. Attendez, il y a un matelas que vous aviez, qu'on a volé dans la sorcellerie. Hein? C'est ce que Dieu me montre, sincèrement. Et ce que je dis ici est vrai. Vous aviez un matelas. C'était un matelas d'une place. Et le matelas-ci était... C'est vrai. Hein? C'est vrai. Le matelas-ci a disparu. C'est vrai, c'est vrai. Jesus! Yes! Jesus! Yes! Les gens ici ne sont pas prêts. Vous n'êtes yes! pas prêts. Jesus! Yes! Il y a une malédiction devant votre porte. Il y a une malédiction devant votre porte. Alors je vous parle. Vous avez l'huile de faveur? Non, c'est fini. Je l'ai acheté, c'est fini. Et vous n'avez pas lu de faveur aujourd'hui? Non, aujourd'hui. Vous n'avez pas pris votre bouteille, pourquoi? Je n'avais pas de moyens. Je n'avais rien, je n'ai plus rien. Vous n'avez plus rien. Donnez-moi ma bouteille d'huile de faveur. Donne. Prenez. Yes! Jesus! Je vais prier pour vous, Dieu va vous délivrer. Je vais prier pour elle. Je vais prier et Dieu va la restaurer. Amen. Écoutez, je prie pour vous. Si vous
J'essaie encore de sortir. L'ange va vous couper la tête. Moi, je ne ris pas avec les sorciers. Vous comprenez? Oui. Vous dites que vous, c'est qui Anor? Anor, c'est qui Anor? Je ne connais pas. Tu ne connais pas? Tu connais pas Anor, hein? Tu comprends quelqu'un qu'on appelle Anor, Anor. Ton patron dans la sorcellerie, on l'appelle Anor. J'ai vu Anor avec Akon, où c'est Akon? Oui. Akon. Hein? Ton nom c'est quoi? Akon. J'ai vu Anor avec Akon. Jesus. Donnez la main. Père, au nom de Jésus, par la vertu de cette huile de faveur, cette femme est délivrée aujourd'hui. Amen. Sa vie est libérée au nom de Jésus-Christ. Amen. Be free. In Jesus' name. Be free. In the name of Jesus. Go. Go. Esprit de sorcellerie, va-t'en. Sors. Laissez-la. Go. Go, go. In Jesus' name. Be free in the name of Jesus. Père, que ton feu la consume de la tête jusqu'aux pieds. Que le démon de sorcellerie soit lié et expulsé dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Amen. You are free. You are free. Amen. In the name of Jesus. Amen. Amen.